Salut les amis, c'est Monsieur Long, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Project Cars, la manche numéro 4 sur ce trophée Renault Sport. On est au Portugal, à Algarve, on espère que ça va bien se passer, j'espère qu'il n'y aura pas de pluie comme la semaine dernière au Spa-Francorchamps, enfin comme la semaine dernière, comme lundi, au Spa-Francorchamps. On est toujours deuxième au classement par équipe, la Team Placid est devant parce que mon coéquipier ne fait pas de bons résultats, on n'a qu'un point de retard toujours, mais c'est toujours un point. On a quand même 15 points d'avance par contre au classement général sur Yannick Prévost grâce à notre victoire au Spa, et lui il avait fini 5ème il me semble, donc voilà, c'était plutôt sympathique. Du coup aujourd'hui on se retrouve au Portugal, comme d'habitude je vais faire les qualifications, on va se retrouver pour la course, les 6 minutes de course, et vous verrez, enfin vous voyez que là, à partir de lundi on sera à Barcelone pour la dernière manche, et ensuite jeudi prochain on sera sur du Formule X parce que JC l'a demandé, hein, c'était vos choix de carrière, le trophée Renault Sport et le Formule X. Voilà, les amis, le programme de cette semaine et de la semaine prochaine. On y va, moi je fais les qualifs et on se retrouve pour la course. A tout de suite. Bon, voilà, qualification faite. J'ai réussi à faire la pole position cette fois-ci, à peu près une seconde d'avance sur le deuxième, Darren White. Mon collègue, lui, est 9e. Tiens, ça fait plaisir. J'espère qu'il va rentrer dans le classement pour amener quelques petits points à l'équipe, ça serait sympathique. On est parti, 6 minutes de course les amis pour cette manche au Portugal. Il fait beau, il fait chaud, j'espère que ça va être sympa. C'est parti. Allez. Pose déjà un peu l'écart. Casque, tiens, pour changer, vous allez me dire ce que vous en pensez. On va se mettre dans la vue casque pour avoir la vue pilote et encore plus d'immersion. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est vraiment pas mal fait, hein. on a le flou et tout, on a la netteté au niveau du regard, et sur les contours on a un petit peu de flou, franchement bien fait quoi. Assez impressionnant cette vue là, j'aime beaucoup. Je pense qu'on va essayer de la garder, si ça vous plaît dans les commentaires n'hésitez pas à le dire. Mais je pense qu'on va essayer de la garder. Ce jeu en réalité virtuelle, il doit être vraiment sympa. J'aimerais bien me procurer un casque de réalité virtuelle juste pour ça des fois. Thank you.
minutes remaining. 3 minutes, donc il va rester à peu près 2 tours, la fin de celui-ci plus un autre. Pour l'instant, on est plutôt tranquille. En même temps, sur le sec, cette voiture est plutôt sympa. Sur le frein. Alors, est-ce que ça va être le dernier tour ou est-ce qu'on va en faire un autre? Bon, j'ai une pénalité là. Même pas. J'aurais cru. On va refaire un tour. Final lap. Don't let it pass in the final sector. Keep pushing. Et là, on s'est viandé sur freinage. Du coup, il en profite. Ça passe. C'est passé sans toucher. On va se faire avoir sur le dernier virage quand même, ça serait moche. Il est là, il est présent. Ah, il fallait pas plus. Je pense qu'il revenait bien, ouais. Il revenait très très bien le petit. Du coup, mon collègue a fini 8ème, donc ça fait plaisir. Et Yannick Prévost, lui, a fini 6ème, donc on va encore prendre des points au classement de l'avance. Ça, c'est cool. Je pense qu'on est champion d'ailleurs. Hein. Je pense qu'on est complètement champion. Par contre. Qu'est-ce que j'ai fait?
Ah ouais, on touche plus à rien, j'ai failli lancer la branche 6. On ne touche plus à rien. Donc, au classement général, on a 90 points. Yannick Prévost a 58 points. Donc ouais, autant dire qu'on est champion du monde, c'est bon. On l'a au niveau du classement par équipe. Par contre, là, c'est cool, on a pris de l'avance. On a pris 20 points d'avance. Et ça, ça fait plaisir, du coup. Grâce à un très bon résultat, enfin un très bon résultat, un bon résultat de notre coéquipier cette semaine, ça fait plaisir. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouvera maintenant lundi pour la manche numéro 6 à Barcelone, la dernière manche, la manche du sacre, hein, puisque autant vous dire, bon, on est largement champion avec 42 points d'avance. Je pense que là, il n'y a pas photo. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que la vue vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez qu'on garde cette vue casque. Moi, elle me plaît beaucoup en tout cas. Je trouve que ça donne encore plus d'immersion et elle est vraiment bien faite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et bien sûr vous abonner. On se retrouve demain pour du MXGP Pro normalement, et parce que j'ai pas encore fait les montages, mais voilà, hein, MXGP Pro, et lundi pour la suite et la fin de ce trophée Renault Sport. Voilà, salut, bye bye.